était nouveau dans l'exercice, mais c'était comme s'il avait fait depuis des années. Et c'est parce que c'est très naturel pour lui. Je trouve que c'est quelqu'un qui est très intéressant, qui est très 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 sérieux dans la vie, mais quand il parle musique et quand il parle chanteur, eh ben là il devient moins sérieux. Il devient juste musicien et plutôt ça fait sortir le gamin en lui. Et c'est ce gamin en lui qui est très séduisant. Vous allez voir. Et c'est pas qu'il m'a impressionné, c'est qu'il m'a fasciné. Et il me fascine. Florent me manque partout, me manque toujours, surtout sur un avion. Il a quitté le vol, il a vendu sa maison, il est parti au Portugal et à New York, et moi je suis pas à New York. Et donc on prenait souvent, on se retrouvait sur l'avion, mais c'est quelqu'un qui te fait rire partout. Tu peux être dans un café, sur le côté de l'autoroute, ou tu peux être dans un grand restaurant ou sur un avion, et il va te faire rire, et il va te faire réfléchir. Donc évidemment, il me manque. Mais il est là, hein. Juste parce qu'il fait pas de voix, ça veut pas dire qu'il est pas là. On n'est pas sur WhatsApp en train de s'envoyer des emojis ou des petits cœurs. Mais je sais que si je veux l'appeler, je l'appelle, il me répond. Et lui, il sait que c'est exactement pareil. Je trouve que Jennifer est très en forme. Elle est heureuse, elle a changé son team, elle a un nouvel album. Et donc, comme elle est heureuse, elle répond avec énormément d'humour et aussi avec énormément de sincérité. Les nouvelles règles, ouais, pas mal. Pas mal. Ça m'a pris un petit peu de temps pour comprendre, mais à la fin, j'ai compris. Je déteste les règles. Déjà, les règles qu'on a, elles sont pénibles et d'en mettre encore plus, ils le font exprès pour nous embêter. Les règles, c'est pour l'école. Oh, j'ai 35 ans, c'est fini.